Hello tout le monde, donc là c'est parti, on se retrouve pour Dirt 2 pour faire le championnat. Alors, nous voici sur le menu, oui. Ouais, je suis prêt. Donc. Il faut pas que j'aille trop vite hein, dans les virages, hein, si je me souviens bien. Parce que sinon, c'était la crotte. Alors, ok. Parce que je me souviens que ouais, j'ai été souvent quatrième sur les premiers circuits. Après. Sur les derniers, vu que je commençais à mieux savoir m'y prendre, je commençais à être plus deuxième, donc là c'était pas trop mal. On va essayer de faire aussi bien. Alors, I'm here. Solo, multijoueur. Multijoueur, là, pour le moment c'est pas possible. Option, pas besoin. Je trouve que le menu il est bien fait hein, en plus. Donc j'avais donné un 7 sur 10 l'autre fois. J'ai peut-être augmenté. Hein. On va voir que j'ai pas tout fait encore. Donc j'avais fait ça. Il me reste. C'est quoi le défi? Je vais regarder vite fait. Temps en l'air. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Bah, ce serait. Pas mal de faire aussi une partie sur les défis la prochaine fois. Alors là on a prévu le tournoi. Tour du monde. C'est pas vraiment un tournoi le tour du monde. Enfin bon, c'est pareil, j'en sais rien si c'est pareil en fait. Allez, ok. Donc si j'arrive bien à faire tout ça, donc je sais pas si je suis obligé de finir premier sur tous les circuits pour débloquer tout ça. À voir. Club man, amateur, pro, am et la pro. Ah oui, donc là, ça veut dire que peut-être c'est plus dur niveau difficulté. Bon, on va commencer par le premier. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Parce que là, il y a des cadenas partout. La moulinette. Circuit. Mexique, montagne. Bon, je vais mettre USA, allez hop. Ah oui, donc moi j'aime bien prendre la grosse voiture. Oui, bah tant pis, j'ai pris la petite. On prendra la grosse peut-être plus tard. Donc il faut que je reprenne mes repères. Bon, déjà, j'ai démarré à temps. Alors là, oui, là il y a des virages, il faut tenir peu. Eh, cogne-moi peu dedans, hein, c'est assez compliqué comme ça. Hein. Je pense que je vais plutôt donner un 8 sur 10 au jeu. Plutôt qu'un 7, je crois même. Mais retourne derrière quoi. Donc le mode arcade c'est bien pour s'entraîner. Parce qu'après, quand on fait le tournoi, c'est mieux de savoir comment conduire la voiture à peu près. Comment la gérer, tout ça. C'est pas comme dans Mario Kart, hein, attention. Hein. Rien à voir. Après, c'est une course de voiture, donc c'est toujours le même but. C'est d'arriver le bah, premier, quoi. On va finir dernier. Oula.
Donc il y a des moments où j'accélère, mais là quand j'arrive dans les virages comme là, et eh ben je ralentis. Parce que sinon je cueille dans les murs. Et après ben, je suis foutu. C'est ce qui arrivait dans les premiers circuits que j'avais débuté là, dans la partie 1, la vidéo partie 1. Attention au truc là. Il y a encore une bagnole devant là. J'espère tellement la doubler que j'oublie de freiner. De ralentir. Parce que je freine pas, je ralentis en fait. Je peux freiner aussi, mais ce que je fais, moi je freine pas, je ralentis plutôt dans le virage. Que je vais réussir à la rattraper l'autre. Elle est pas loin, elle est pas loin. Ah, je m'énerve là. Hop là, dégage. Ah, je perds tous mes moyens. Ah voilà. Je voulais la doubler et... Tenter la ligne d'arrivée là. J'ai fait une marche arrière hein, parce que j'avais pas le choix sinon. Bon, deuxième, déjà pas mal. J'ai encore fini, j'ai jamais fini premier encore dans ce jeu-là. Là, j'y étais presque, presque premier. Ah oui, donc du coup, je suis arrivé deuxième, donc du coup, ça me débloque pas le... Attendez, je vais... Hop. Ah oui, ça c'est pour regarder le replay. Ok. Donc, je vais essayer cette épreuve, voir le replay. Si je fais continuer, ça fait quoi? Ah, mauvaise nouvelle, les gars. Je suis obligé de terminer premier pour pouvoir faire les autres circuits. Oh là là! Bon, bah, je propose que je réessaye alors. Et j'ai le choix pour changer le circuit quand même. Donc ça c'est bon. On va faire celui-là. Oui, je vais prendre le gros, la grosse voiture. Voilà. Question que ce soit quand même un petit peu différent. Donc ouais, ça va être chaud. Je suis obligé de terminer premier pour débloquer les autres circuits. J'arrive à être deuxième, mais j'arrive pas à être premier. Bon, après, si le jeu il serait trop facile, ce serait moins amusant aussi, attention. Après, si je vois que vraiment j'y arrive pas, bah, peut-être que j'y arriverai en live. Voilà. Mais je vais pas toujours. Refaire le jeu à chaque fois quoi. Parce que si vous me voyez toujours deuxième, c'est pas comme ça que je vais débloquer. Oh là, je fais n'importe quoi là. Ils sont assez stricts quand même. Deuxième, pas déblocage. Oh bah tant quoi. Oh non, la pierre là, j'étais bien parti. Ah, je suis deg! Dégagé là! Bande de ferraille! Ah. Je traite de bande de ferraille, mais bon, de ferraille aussi. Mais... C'est ce que j'avais dit déjà dans la première partie de la vidéo. Allez, casse-toi! Vous êtes encombrant les gars. Ah là là. Non.
Non, pas ça. Sniff. Ah! Ah bah il s'est cassé la gueule l'autre. Ça va, ça m'arrange. C'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas m'emmerder. Excusez-moi les gars pour ma vulgarité. Ouais, puis il y a des buzz partout, donc c'est un peu compliqué pour vraiment aller vite, quoi. Ça va être dur. Ils sont où les autres là? Je les vois pas sur ma carte là. Oh non! J'ai un ennemi derrière! Bah voilà, il m'a. Oh, zut! Ah bah, troisième, c'est encore pire que tout à l'heure. Je pense pas que je vais réussir à débloquer Tito pour les autres épreuves. Les autres épreuves, comme vous avez vu, il y avait écrit pro et enfin, semi-pro, pro, un truc comme ça. Donc imaginez quoi, ça galère. On va faire un circuit du coup. Par contre, si j'y arrive pas, on va arrêter cet essai sur ce jeu-là quand même. Alors, je vais faire. Ah, je sais plus lequel j'avais choisi tout à l'heure. Bon, on va faire celui-là. Oui, je sais pas choisi. C'était soit l'un des deux autres que j'avais choisi. Ah, je peux pas choisir de bagnole maintenant, je vais prendre celle-là. En tout cas, c'est décidé, la note sur 10, c'est 8. 8 sur 10 pour ce jeu-là. Alors après, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour ceux qui ont le jeu, si vous avez déjà réussi à débloquer les. Moi, bon, en tout cas, je galère. Je me suis amélioré quand même, mais j'arrive pas encore à finir premier. Hein. Ah oui, ça, c'est le circuit qui est pas grand, ça. Avec le genre de Titanic là à côté, la paquebot. Je ne connais pas en bateau après moi. Mais ouais, ça je pense que ça mérite un beau 6. Un beau 8 sur 10. J'allais dire 6 sur 10, ouais. Quand même. Dégage! Ah, je suis troisième. Bon bah voilà les gars, j'ai pas réussi à débloquer les niveaux, donc ça c'est embêtant.
Du coup, bah, on va s'arrêter là. Donc, je donne un 8 sur 10 sur ce jeu. Je le trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, on va se retrouver pour un nouveau jeu sur la Wii. Parce que là, en ce moment, c'est la période Wii, à fond. Bon, allez, je vais arrêter de faire le clown et je vais vous laisser là. Et on se rejoint pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à faire partager, les gars, je compte sur vous. Allez, salut !